Mais tu trouves qu'il représente la virilité, Bilal Hassani? Bah pour une femme, peut-être oui, ouais, mais peut-être pas pour un homme. Mais... Je t'explique. Ses ancêtres, ils avaient des couteaux courbés dans le désert, comme ça, ils les raclaient contre des cailloux, ouais. Tu vois, pour aller se faire la tribu d'en face. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'était des mecs solides, tu vois. Imagine que, par un incommensurable coup du sort, un siècle après le dernier mec solide de la tribu des Hassani, tu vois, il y a un mec qui déboule, il est en jupe, il se maquille, il se sent femme et il va faire Danser avec les stars. Aiguisage de couteau courbé dans le désert au Maroc, Danser avec les stars à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi j'arrive et je demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? On a voulu vous passer. Espèce de pauvre con. Alors c'est intéressant parce que je viens de poster la photo de l'enfarinage de Usul. Si vous regardez bien, quand il se fait verser la farine dessus, il rentre un petit peu la tête dans les épaules, il se courbe un tout petit peu et il subit en silence en fait. Et ça, c'est très révélateur de la psychologie du personnage et de l'anthropologie du personnage en fait. La chimie, ce que j'aime appeler la structure chimique du larron quoi. Moi, si j'avais été enfariné, et ça peut arriver un jour, hein, personne n'est à l'abri, mais je sais qu'il y a une, par réflexe, il y a une volonté d'empoigner le mec ou de lui balancer une patate. Même si elle passe à côté, même si je dis pas que je suis Superman, mais je me connais, je sais que le réflexe, de suite, mon cerveau va comprendre qu'il y a une agression, et de suite, je vais essayer de me défendre. Même si la patate part à côté, qu'elle part mal, que tu tapes dans ta chaise, tu te fais mal, ce qu'il faut, c'est réagir. Là, le niveau de soumission est terrible. En fait, la farine arrive et le mec, son réflexe, c'est... Il fait un truc de tortue. Il fait un truc de Bernard Lhermitte, en fait. Il a rentré sa tête dans son corps comme un putain de Transformer. En espérant qu'il allait prendre une mythe après la... Parce que c'est aussi bien tu prends une gifle, quoi, après la farine. Et au milieu, si tu veux, t'as les boomers. Et les jeunes, alors les jeunes, ils n'ont jamais travaillé, ce qui fait d'eux des fils de pute. Et les boomers, ils ont des 2800 balles de retraite, ils ont connu les 30 glorieuses, pour eux, tout va bien. Ils habitent dans des endroits, si tu veux, où il n'y a ni Mokhtar, ni Jean-Kévin. Donc en fait, ils sont calés. Les jeunes, ils ont Netflix, le porno, la VR. Ils n'ont aucune raison de sortir de ça, tu vois. Et au milieu, tu as les actifs, c'est-à-dire toi, moi, les ouvriers, tu vois, les militaires, les gendarmes, tout ce que tu veux, les indépendants et tout. Et ceux-là, mon pauvre, mais ils prennent de plein fouet la destruction de la France, ils se font découper. Et quand ils reçoivent leur fiche d'impôt, ils comprennent pas. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je paye les allumettes qui vont brûler Notre-Dame? Est-ce qu'il faut que je paye l'HLM du mec qui va venir trancher ma fille de force, tu vois, sous un tunnel à Mont-de-Marsan? En fait, c'est ça, tu vois. Et ben alors, les racailles du rap, là, qui font des go-fast de je sais pas quoi, de je sais pas quelle drogue, je fais des go-fast de quoi, moi? Je fais des go-fast de poterie traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plus de terre dans cette poterie que dans tout le shit du Maroc? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais des gros drive-by d'artisanat. D'artisanat, qu'est-ce qu'il y a? Qui me dépasse? Qui fait plus old school que ça? Transporte-le, ton shit. Passe la frontière française avec ton shit. Moi, la frontière française, je la passe avec des grosses poteries artisanales. Et le go-fast, est-ce que je le fais en Audi? Est-ce que je le fais en Mercedes? Est-ce que je le fais en BMW? Non! Le go-fast, je le fais en Toyota! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pas n'importe quelle Toyota! Je le fais qu'une Toyota Yaris de keuk! De keuk, ma Toyota Yaris! Je suis en cinquième sur l'autoroute! La pédale écrasée contre le plancher, je suis à 100 km/h! Et encore dans les côtes, je descends à 80. Et pourquoi je fais ça? Pour aller dealer de la poterie dans le 9-3. De la grosse poterie, qu'est-ce qui se passe? Remballez votre shit, quoi. Compare avec une femme qui a réussi à se mettre dans un foyer avec un homme, elle devient la boss de tout. Tout le monde, c'est le parrain, mec, à la fin. C'est le parrain. OK? Et en fait, si tu compares ces deux femmes-là, il y en a une, elle n'a pas été likée, tu vois, elle n'a pas été adulée comme elle a été adulée. Mais par contre... Elle est la reine d'un système qui aura duré toute sa vie. Une femme qui a été une égérie, tu vois, momentanée d'Instagram, elle va capitaliser combien de 10 ans dessus? Après, elle va se reconvertir dans quoi? T'imagines la chute, la dégringolade quand t'as tout misé sur le physique? Alors là, il y a toujours un keuk qui vient, une fois qu'elle s'est fait troncher par tout le monde, tu vois,
pour venir l'offrir une vie, tu vois, de stabilité, tu vois. Bon, elles sont malignes pour ça, les gonzesses, elles arrivent à trouver. Il y a toujours le dernier fils de pute qui hérite de, tu sais, ça y est, elle est usée, elle est bonne pour la poubelle, ben ce sera toi la poubelle, en fait, c'est toi qui vas te mettre avec. Le mec qui fantasmait sur elle pendant des années, qui n'a pas réussi à la voir, elle finit par se rabattre sur lui, quoi. Elle finit par se rabattre sur lui après avoir accouché avec absolument tous les mecs qui étaient mieux que lui, tu vois. Corbière et Garrido sont cliniquement obèses, hein. C'est une réalité, enfin, c'est un clash, mais c'est aussi une réalité. Et donc, en fait, il y avait deux obèses, dont un qui possède une montre, parce qu'il y a ça qui est sorti, là, apparemment, la montre de Corbière est une montre qui coûterait dans les 23 000 euros. Ça, c'est drôle. C'est les communistes avec des montres qui coûtent la moitié ou le quart d'un... Enfin, la moitié d'un appart à la campagne, quoi. Bon, bref. Et donc, ils traitaient Stanislas Rigaud de bourgeois. Donc, vous aviez deux obèses de gauche de 50 balais farcis de subventions de l'État qui vivent sur le dos du contribuable, qui traite un jeune homme dont le père défend la France, puisque le père de Stanislas Rigaud est militaire, et le traite de bourgeois. C'est-à-dire qu'ils assimilent la défense de la France à la bourgeoisie. Alors que je pense que la condition moyenne du militaire, elle est bien plus basse que n'importe quel politicien de merde, de l'extrême-gauche de merde. Mais si tu veux, le nouvel arrivant, le type qui déboule de Mostaganem, qui fait du Uber, mais il s'en bat les couilles de Jean Jaurès, tu veux. C'est pas la peine de l'amener aux mines de Carmo, là, regardez, c'est la lettre de la dépêche, mais qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles ? Il veut marier sa fille, il veut lui faire un mariage avec du plaqueur partout, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de tes questions de 1902, tu vois ? Il s'en bat les reins, les mecs sont là pour faire de l'oseille. Voilà. Donc, il a pas envie de s'intégrer à la République, et je le comprends. Parce que la République, qu'est-ce que c'est ? C'est Bilal Hassani, c'est des hommes qui tombent enceintes, c'est des gens qui pensent que ce sont des trousses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Vas-y, deviens français, tu vois. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir. Voilà, donc vous avez vu une nouvelle vidéo de ce jeune homme qui avait fait une première vidéo où il avait twerké dans une église et il avait mimé des actes sexuels avec un pote à lui dans un lieu sacré. Il est où le bon sens ? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église ? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit t'en mettre une ! Mais comme on vit dans une époque où la déconstruction... la bêtise, elle est sanctuarisée, elle est sanctifiée, il n'y aura pas de retombée. Voilà dans le siècle dans lequel nous fait vivre la République. Voilà le quotidien qu'elle nous impose. Avoir des petits merdeux qui viennent salir ce qu'on a de plus pur et qui sont protégés par la loi. Et les mecs comme moi, ils servent plus à rien. Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait. On l'éclatait. Et si on l'éclate alors que c'est légitime, parce que ça serait légitime qu'on l'éclate, si on l'éclate parce que c'est légitime, on va en prison ! On va en prison ! Et il y aura une flopée d'enfoirés de journalistes qui vont écrire des articles pour dire qu'on est des fascistes, pour dire qu'on est des brutes, alors qu'on n'a rien à demander. Nos églises, laissez-les ! Laissez-nous tranquilles, bordel ! On vous empêche pas de vous endoffer ! Pourquoi vous avez besoin de venir salir nos lieux sacrés, bordel ? La provocation ! Et le jour où on pète un câble, et on attrape vos coups de poulet, et on les tord en deux, on devient des meurtriers, des salauds, et c'est nous les enculés ! Il y en a marre ! Il y en a marre de ce progrès ! Vous êtes les pires sadiques ! Vous êtes des saloperies ! C'est l'enfer ! Vous nous faites vivre l'enfer ! Mais un jour, tout ça va prendre fin, un jour. Et moi, je respecte cette politique-là. Voilà, Patrick. Tu vois, on n'appartient pas au même monde. En fait, moi, les choses se résolvent comme ça. Donc, c'est vrai qu'à une époque, bon, ben, quand t'étais médisant sur un homme, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait des, tu vois, il y avait des planifications. Tu sais, c'était des mecs, ils avaient des capuchons, tu sais, au Moyen-Âge. C'était des types, ils faisaient 1 m3, ils avaient des capuchons. Ils avaient... En fait, l'habit, c'était une tunique et un capuchon. Tu disais, est-ce que c'est un clodo ? Est-ce que c'est un lutin ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et ils avaient des gourdins. Et en fait, quand t'avais un mec qui avait été médisant, il venait de faire toc-toc chez lui. Et puis là, mon pauvre, en fait, handicap international, il pouvait plus rien faire après. Hein. C'est pas avec une prothèse que... Tu sais, quand t'as la moitié de ton crâne qui s'est encastré dans l'autre, si tu veux, là, handicap international, tu peux envoyer Bernard Kouchner avec plein de transfusions, tu peux te dire que tu vas pas récupérer grand-chose, tu sais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, t'as des mecs qui survivaient, donc ça faisait des... Ils étaient sur les chaises, comme ça, et ça faisait... Tu vois, et c'est comme ça, je pense, que ça devrait être dans un monde normal, c'est-à-dire que si les choses fonctionnaient bien, quand quelqu'un se permet de dire à quelqu'un qui a fait un mariage congolais, tu vois, que c'est un obsédé de la race blanche, en fait,
il faudrait que cette personne puisse se rétribuer à la hauteur du mensonge, en fait. Une gonzesse, aujourd'hui, elle est bombardée d'influences qui lui disent, qui lui apprennent à être une pute. OK ? Et l'homme est bombardé d'influences qui lui apprennent à sucer des bites et à être une merde, d'accord ? Et à pas prendre ses responsabilités à bras le corps, tu vois. Donc ça produit des merdes qui vont faire des gosses entre eux, et ça va faire des gosses de merde, et on va avoir un pays de merde, tu vois. Donc c'est gravissime. Et les hommes, pareil, les modèles qu'ils ont, c'est des mecs qui leur disent « c'est pas grave de pleurer devant tes enfants ». Un homme, il peut pleurer, tu vois, de temps en temps, ça nous est tous arrivé, tu vois, il y a des moments dans la vie où tu craques, mais il faut pas faire le spectacle de ça. Ton but, c'est d'être solide, c'est que quand les gens dans ton environnement familial te regardent, ils se disent « ce mec-là, c'est un chêne, on peut se reposer dessus ». Nos grands-pères aussi, ils avaient des moments où ils étaient en PLS. Mais jamais ils nous auraient montré leur faiblesse. Ils voulaient qu'on se dise « putain, ce mec-là, il tiendra la baraque, quelle que soit la dureté de la tempête », tu vois. C'est ça le rôle d'un homme. Et si tu veux, on apprend aux hommes aujourd'hui à être… On leur dit « t'as le droit de te tromper, tu peux retrouver l'amour à 50 balais, à 60, à 70, mais arrêtez vos conneries. À un moment, il faut se… Quand t'es jeune, bon, il y a la testo, c'est une chose, mais à un moment, il faut se dédier à quelque chose. » Eh ben alors, c'est qui ça? Ça va Jean-Luc? T'es à l'aise? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux un coup à boire? Tu veux peut-être un couscous? Est-ce que tu veux un couscous pour te donner? Je sais que toi t'aimes bien ces choses-là, là, regarde. Hop, ça sent bon. Non, t'aimes bien le couscous? Voilà. Non, pas de couscous? Bon. Allez. Alors, Jean-Luc, bon ben écoute, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de te présenter. Tout le monde te connaît. OPS pendant 30 ans. Voilà, 30 ans de Parti Socialiste. Donc, cumul des mandats. Alors là, c'est la folie. Hein, coquino. Hein. Alors c'est génial parce que, en fait, bon, quand il y a eu le mannequin gauchiste, Mélenchon a fait semblant que ce mannequin le représentait. Mais alors du coup, il lance un truc, c'est qu'en fait, on peut le représenter avec des mannequins et faire ce qu'on veut à ces mannequins, tant que c'est légal, bien sûr. Il s'agit pas de faire un appel à la violence sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, il est bien traité. Voilà. Ça va Jean-Luc? T'es à l'aise, hein ? Voilà, on est gentil avec lui, il est au chaud, il est tout bien habillé. Voilà, vous remarquerez que je n'enfreins absolument aucun article légal. Alors, il est possible qu'à la fin, je lance ça comme ça, il est possible que je prenne cette saucisse, par exemple, voilà, et que par exemple, hop, je la tapote un petit peu contre le mannequin de Jean-Luc Mélenchon, mais j'enfreins pas la loi parce que si par exemple c'était un pénis en plastique, voilà, et que je faisais comme ça avec un pénis en plastique, ça s'apparenterait en fait à une sorte de. Comment on pourrait dire, ça s'apparenterait en fait à une sorte d'agression sexuelle. Alors que là, c'est simplement une saucisse. Et j'administre comme ça, hop, j'administre un petit peu des petites caresses de saucisse en fait sur un mannequin de Mélenchon. Et c'est parfaitement légal. C'est ce qu'il y a de merveilleux. C'est qu'en fait, cette petite saucisse que je tapote comme ça, écoutez le bruit que ça fait. Cette petite saucisse que je tapote sur Mélenchon, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Mélenchon, en fait, a voulu m'interdire de faire des mannequins, mais qu'est-ce que je fais? Je fais des mannequins de Jean-Luc Mélenchon, et je m'amuse à tapoter une petite saucisse dessus, et je peux faire ce que je veux avec cette saucisse. Regardez, hop! Je peux lui poser la saucisse sur la tête pour faire un punk charcutier. Je peux lui faire une trompe. Je peux lui faire une moustache. Ah putain! Voilà, ben en fait on peut tout faire avec un mannequin de Mélenchon et une saucisse.